J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog. Nous sommes vendredi et on est le 27, je crois, le 27. Ouais, c'est ça, on est le 27. Et je vous ai pas repris ce matin parce que j'ai fait juste le ménage en fait. Voilà, dès que j'ai déposé les loulous à l'école, je suis rentrée, j'ai fait le ménage, j'ai fait du rangement, etc. On a passé un petit coup sur la terrasse parce qu'elle était dégueulasse, etc. On a enlevé les canisses qu'il y avait dans le coin parce qu'avec la pluie, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de gouttière en fait à la maison. Et quand ça pleut, ça coule directement sur la terrasse et sur les canisses. Et du coup, elles sont toutes humides, etc. Donc on les a foutues au fond du, enfin au fond, comme si j'avais un terrain immense. Mais on les a foutues dans un coin du jardin et j'irai les jeter à la déchetterie. Mais je vais demander au pire à quelqu'un qui a une grande voiture ou quoi s'il veut, parce que moi dans la voiture j'ai peur que ça rentre pas. Et comme vous avez pu le voir dans les images, il y avait une araignée énormissime dessus. J'étais au bout de ma vie, je croyais que j'allais mourir. Vraiment, elle était énorme, énorme. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je voyais une araignée aussi grosse, à part les jaunes et noires là qu'on avait à notre maison avant. Mais franchement, c'était terrible, elle était vraiment pas belle. Et du coup, je me dis qu'à l'intérieur des canisses qui sont enroulées, il doit en avoir plein. Et je veux pas mettre ça dans ma voiture parce que sinon je vais psychoter. Je vais plus vouloir monter dans la voiture, clairement. Bref, du coup, je vous disais donc qu'il était déjà rendu midi. Enfin, je crois que j'étais en train de vous le dire. Et je vais chercher Alison parce qu'elle n'a pas cours cet après-midi. Elle a une prof qui était absente et le vendredi après-midi, en fait, elle a cours que de 3 à 4. Donc à chaque fois elle va au CDI, machin, nanana. Et là, ben, sa prof n'est pas là, donc ben, elle finit à midi. Donc on va rien faire de spécial, hein, parce qu'après il y a Charlie qui finit à 4h. Après 4h20, il y a Maëlys. 4h30, Myron. Et après, à 5h30, Charlie, elle a le hip-hop jusqu'à 7h30. Ce soir, ça va être poulet et purée. Donc voilà, un truc quand même relativement facile à faire et rapide, je veux dire. J'étais en train de monter le vlog précédent là, pour autant un petit peu avant de partir. Comme vous avez vu aussi, on a sorti un petit peu Lovely, ma bébé, elle était trop contente, elle a fait la folle, j'ai coupé les griffes, etc. Parce que, purée, ça a poussé à une vitesse, mais grand V, donc elle a mangé son petit œuf et puis j'ai coupé ses petites griffes. Parce que quand on l'a attrapée, franchement, c'était une catastrophe. Elle nous griffait de ouf. Bref, elle était contente de faire sa petite sortie. Weasley, lui, il était dehors. La dernière fois, ben, quand elle s'est baladée, il y a du mieux. Il y a du mieux. Il a un peu peur. Il s'en va, il lui souffle un petit peu dessus si elle arrive un petit peu trop fort, trop vite sur lui. Mais sinon, il y a du mieux. Franchement, il la calcule pas. Il se met sur une chaise et il la regarde faire sa petite vie. Donc ça va. Parce qu'au début, c'était, il voulait pas du tout qu'elle l'approche. C'était une catastrophe. Il y a de l'avancement. Voilà pour les petites news d'aujourd'hui. Hier, je vous ai pas filmé grand chose hier, la journée d'hier. De toute façon, on n'a pas fait grand chose, voilà, à part les allers-retours pour les activités, etc. Ah si, je vous ai filmé le cours de chant. Je vous ai filmé le cours de chant hier. Et c'était un petit peu chiant parce que comparé à la semaine dernière, vu qu'il y a eu encore plein de trucs qui font chier, quoi, ça m'a encore tout bloqué au niveau du diaphragme, etc. Donc c'était moins top que la semaine d'avant. La semaine d'avant, franchement, bah, c'était nickel. Ma voix, elle était revenue vraiment limite parfaitement. Et même moi, j'ai été étonnée, quoi. Donc ma prof a été contente. Là, cette semaine, c'était un petit peu plus noué, un petit peu plus. Il y a moins de profondeur dans ce que j'arrive à attraper. Donc on va travailler, on va essayer de travailler là-dessus pour pouvoir essayer de lâcher prise entre le mental et le corps en fait. Que mon mental n'ait pas d'impact sur mon corps comme ça. Comme souvent il l'a, c'est très pénible. Hein, mais de toute façon avec la fibro en même temps, hein, c'est ce qui se passe à chaque fois. Hein, voilà, dès que dans la tête il y a des choses qui ne vont pas, paf, ça se répercute sur le corps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible. On va essayer de pallier à ça. On verra bien ce que ça va donner, mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de douleurs, même quand je respire profondément ça me refait les douleurs, vous savez, dans le dos comme j'avais passé un moment et tout, donc c'est un petit peu chiant, mais bon, je me dis que voilà, hein, ça finira par passer de nouveau. Enfin voilà, bref, allez, je vais chercher Alison et puis je vous reprends quand elle est avec moi. Bon, ça y est, on a récupéré Alison. Ça va? Ah oui. La matinée, ça a été? Ouais, ça va. Je suis trop contente parce que j'ai fini à midi. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la voiture. Elle est trop contente parce qu'elle va être avec nous cet après-midi. Elle a fini à midi. T'as faim? Ouais. Alors on y va parce que c'est déjà midi 10. Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Insta, vous avez mis une photo des enfants dans un champ de tournesol juste magnifique. Regardez la gueule des tournesols maintenant. Truc de fou.
On voit bien dessus les trucs. Il y a encore les graines. T'as vu, c'est tout. Il y a encore les graines, c'est tout sec et tout. Je sais pas combien de temps ils les laissent comme ça avant de les récolter. Mais là, ça fait un moment qu'ils sont comme ça. Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait super longtemps. Hein, donc, je sais pas, c'est trop chelou. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 15h et Charlie a déjà fini. Donc, je vais la récupérer parce qu'elle voulait rester une heure apparemment devant le. Enfin, devant le collège. Devant le lycée, on va dire. Au machin, là, ils ont un petit snack à côté, donc elle voulait rester avec sa copine là. Et puis, tout compte fait, sa copine à la dernière minute, elle a dit ah, mais non, il faut que j'aille chercher une pote, c'est un peu loin, donc elle s'est barrée en fait. Enfin, bref, super sympa les copines. Du coup, je vais la chercher, je la ramène ici, et puis après, bah, il faudra que je reparte parce qu'à 4h20, elle dit c'est à 4h20, elle sort, donc il va falloir que je reparte quasiment tout de suite. Enfin, bref, du temps, on a fait quoi? Ben, pas grand chose, on a mangé. J'ai fait les devoirs d'Alison. Et puis après, je me suis calée un petit peu devant. Ouh là là, ma cassette d'oreille. Et après, je me suis calée devant la télé un petit peu. Et limite, j'ai comaté. Je suis fracassée. Je suis explosée. Du coup, j'ai mis les Goonies. Sur Netflix. Oui, je sais, c'est le truc pourri, bien vieux. Mais alors, ça, c'est les films de ma jeunesse. Que je mettais H24, que je remettais, je faisais péter un plan à ma soeur. Donc du coup j'ai mis ça et puis j'ai combatté un petit peu devant. Voilà, ça a fait du bien de me poser un petit peu. En rentrant, bah, il faudra que bah, tout le monde goûte, les douches, etc. Il faut que je dépende le linge aussi, que je le range. Et ce soir, il y a Maïlis et Alison qui vont dormir chez la voisine juste à côté. Vous savez, le grillage d'à côté, là, je vous avais déjà fait voir que mes petits sont toujours en train de parler à travers le grillage, ils me font trop rire. Et en fait, c'est une copine à moi de lycée avec qui j'étais au lycée. Donc, bah, évidemment, elle est contente de se retrouver. Les loulous, bah, ils s'adorent. Maïlis, elle est à fond avec Amy. Voilà, non, les filles, elles s'adorent. Bref, donc elles vont dormir là-bas, elles font une soirée de pyjama, genre. Et après, pendant les vacances, ce sera eux qui viendront dormir à la maison. Elles sont trop contentes, Maïlis, elle avait tellement hâte. Ça fait je sais pas combien de semaines qu'elle nous en parle. C'est quand qu'on va faire la soirée pyjama? Et puis bah, ma copine elle travaille le week-end et tout. Donc bah, on avait dit on attend pendant les vacances, ce sera plus simple. Et puis du coup là elle travaille pas ce week-end. Donc elle m'a dit bah écoute, les filles elles viendront. Et puis après toi pendant les vacances tu prendras les filles pour qu'elles le fassent. Ferry Maïlis. Et elle a des bonbons parce qu'elle a fait un anniversaire. C'est ça? Des petites Razibus. C'est les meilleurs. C'est les noirs les meilleurs. Si, les meilleurs c'est les noirs, c'est la vie des dragibus noirs. Non, tous. Tous? Ouais, mais toi t'es une grosse gourmande, c'est pour ça. Bon les amis, 17h30 presque, je suis en train d'amener Madame Shirley à Delta. Elle a cours jusqu'à 19h30. Alors normalement son cours c'est de 18h30 à 19h30. Et madame, il faut toujours qu'elle y aille avant, comme ça elle donne un coup de main, ou elle regarde le cours d'avant, ou voilà. Elle s'imprègne de Delta, elle n'en peut plus, elle pourrait passer sa vie là-bas, je crois. Du coup, ben, après je vais rentrer, prendre la douche de Maïlis, parce que dès que la voisine elle arrive, après ben, elles y vont. Andrew lui est parti au travail, voilà, j'espère qu'il n'aura pas beaucoup de monde. Ils n'avaient aucune réservation pour ce soir, donc je croise les doigts pour qu'ils n'aient pas beaucoup de monde et qu'il n'y ait pas du monde qui arrive tard en fait, parce qu'il était vraiment fatigué, ça se voyait sur lui qu'il était fatigué là. Donc voilà, s'il peut se reposer un petit peu, elle a dormi. Elle est rentrée de l'école, elle s'est couchée et elle a dormi. Elle s'est endormie. Je crois que les semaines sont longues pour tout le monde. Ah, j'avoue qu'en ce moment, je ressens beaucoup de fatigue moi aussi, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est vrai que bon, bah, le matin, je me lève moi à 6h15, 5h30, 6h15. Le soir, bah, on se couche assez tard hein, quand Andrew travaille, donc on attend qu'il rentre du service, etc. Donc évidemment, bah, ça nous fait nous coucher un petit peu tard. Puis le temps de trouver le sommeil, puis le peu qu'on trouve un film qui nous plaît, et nanani, et nanana. C'est déjà mieux que quand j'avais mes insomnies de malade passé un temps et que je dormais pas avant 3h du matin. Là, heureusement que du coup, ça me casse quand même d'avoir repris le rythme des journées d'école, de toutes les activités tous les soirs, jusqu'à 19h30 Myron, jusqu'à 20h30 elle. Voilà, après, c'est vrai que ça fait un rythme particulier, hein, qu'on court toute la journée, donc on fait plein d'allers-retours. Donc évidemment, ça nous chamboule un petit peu. Niveau fatigue, mais c'est pas grave, ça change des vacances d'été, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, voilà, on se reposera, quand on sera dans notre tombe, on aura le temps hein, de se reposer, il faut profiter de la vie. Bref, allez, je m'active, et ce soir, comme je vous ai dit, ce sera poulet et purée, donc c'est du rapide, en rentrant là, je mettrai les cuisses de poulet au four, et puis ce sera très très bien.